Alors aujourd'hui, je vais être obligé de faire la publicité. On est plutôt bien loti en France en termes d'outils de création audio 3D. On a la chance ici au Forum du son multicanal de faire la démonstration de plusieurs outils qui sont récemment rendus disponibles. Alors on a ce qu'on appelle les panneurs 3D qui vont rendre possible l'affectation dans l'espace de sources sonores. Alors pour commencer par les Français, on a effectivement toute l'équipe de l'IRCAM qui travaille sur le SPAT qui tourne sur MaxMSP. Donc cet outil SPAT connaît une application dans un produit qui s'appelle Transpan, qui a été mis en place avec le Conservatoire de Paris, qui sert notamment pour nous à France Télévisions pour faire de l'audio 3D. On a en parallèle de ça, chez Sonic Emotion, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Edison 3D avec Radio France, des outils qui sont développés autour de la plateforme de WFS de Sonic Emotion et qui permettent justement, par un petit plugin qu'on met dans sa station d'édition, de faire du panning 3D et que le moteur de rendu Sonic Emotion va pouvoir offrir sur les haut-parleurs. On a la même chose chez les concurrents de Sonic Emotion, chez Yosono. On retrouve aussi des solutions beaucoup plus étudiantes dans leur, dans leur prix aussi, mais dans leur fonctionnalité chez le spatial audio designer de Tom Hammermann, qui est un Allemand, qui a une excellente oreille sur le plan du rendu sonore et qui fait des jolis petits outils de panning 3D sur tous les systèmes de haut-parleurs possibles, mais aussi qui permet de virtualiser ce rendu-là au casque. Donc c'est très pratique pour travailler dans le train en 3D. Donc dans ce studio-là, d'ailleurs, pendant tout le forum du son multicanal, Tom Hammermann fera la démonstration de son plugin. On a chez les Belges de Oro 3D, qui sont désormais l'un des acteurs incontournables du cinéma en 3D, une solution qui ressemble très fort à celle de Tom. Et puis on a aussi Dolby, bien sûr, qui a pondu son système Atmos, où on a un plugin pour Station Pro Tools, relié à un moteur de rendu de chez Dolby, et avec un lien entre les deux. Donc voilà aujourd'hui l'éventail des solutions qui permettent de faire de l'audio 3D. Certaines beaucoup plus complexes et coûteuses que d'autres, mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas que de proposer à une source d'être positionnée dans un environnement 3D. Il y a des choses très intelligentes qui sont faites, j'ai oublié de parler de ce que fait la NHK depuis 10 ans, parce qu'ils font, de la 3D depuis plus de 10 ans. Ils considèrent que ce n'est pas parce que la source elle est située tout en haut à gauche de la scène sonore que mes haut-parleurs d'en bas à droite ne sortent pas de son. Dans la vraie vie, quelqu'un qui crie en haut à gauche, si je suis en bas à droite, je l'entends aussi. Donc en fait, ils travaillent avec ce qu'on appelle un moteur de rendu qui possède un algorithme de réverbération et convolution qui a été développé par les Canadiens de l'université de McGill. Et donc, dès qu'une source mono est rentrée à une position précise de l'espace, le moteur de rendu propose l'ensemble des sons résultant de cette source sonore pour toutes les autres positions de haut-parleurs de la pièce. Et donc on se retrouve réellement immergé dans une ambiance sonore réaliste où on n'a à avoir aucun doute sur la provenance de la source, mais également aucun doute sur l'acoustique qui nous entoure. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus avancé. Et donc un simple panneur 3D, pour le moment, ne fait pas tout le travail. Donc aujourd'hui, il y a cette solution NHK qui propose ça. On a la WFS qui propose ça également, et puis le SPAT de l'IRCAM qui propose ça. Et les autres, pour le moment, sont relativement out. Donc c'est en train de se tirer vers le haut, et il est évident que d'ici 2-3 ans, les technologies seront beaucoup plus matures. Là, on va pouvoir créer des mouvements qui vont être en rythme, qui vont être judicieusement placés, etc. Et créer des mouvements qui vont marcher aussi pour l'ensemble du public. Et dans la vitesse de déplacement qu'on va créer, va venir le réalisme du mouvement. Je parle de réalisme, mais il n'y a pas de réalisme là-dedans du tout. Mais en tout cas, la perception du mouvement va être plus ou moins bien rendue. C'est-à-dire que si on fait un mouvement trop rapide, on va juste entendre le point de départ et le point d'arrivée. Donc on aura perdu. Et parfois, il va falloir que le mouvement il s'accélère ou qu'il ralentisse à un endroit précis. Tout ça, c'est une dextérité que l'ingénieur du son doit développer.
c'est de l'entraînement, c'est du travail, c'est le métier d'artisan. Donc là, on entend au son, en fait, nous avons une source stéréo, une musique normale, et on va pouvoir jouer avec elle. Alors là, en ce moment même, on l'a au même endroit. Si on regarde sur l'écran, nous avons la source stéréo ici, le point qui bouge. Alors, on peut l'entendre s'éloigner, on peut l'entendre se rapprocher. Voilà, on va pouvoir la faire passer sur les côtés. Entre les deux sources, telle qu'elle. Par exemple, et après, on va pouvoir faire bouger ça comme ça. Donc ça, c'est le premier mode stéréo. Tu vas gérer deux sources via un contrôleur, par exemple. Et on a un autre mode. Notre mode stéréo, on va les contrôler un tout petit peu différemment, c'est-à-dire dans un référentiel cartésien. C'est-à-dire, là, on peut bien comprendre, fait bouger les sources en fonction d'un point précis qui est entre les deux sources. Et on va pouvoir les faire tourner autour de ce point-là. Là, pour ces choses-là, le son immersif, c'est fantastique. On imagine bien, moi j'ai toujours le souvenir de ma grand-mère qui me disait que dans le village, quand elle a acheté une radio, tout le village venait écouter le jeudi soir les fictions de la radio suisse romande, c'est des fictions policières sur un vieux poste en mono, mais le son sans l'image, le son tout seul, le son avec image c'est fantastique, mais le son tout seul c'est un imaginaire incroyable. Et donc le son immersif, et ben, c'est ça mais puissance 10, c'est fantastique. Et donc on a cette possibilité là, et via nouveau son, on peut toucher les gens avec ce média immersif. C'est la première fois qu'on l'a à Radio France. Ça fait peut-être 15, 20 ans et même plus qu'on travaille sur le multicanal en général et le son immersif de façon plus particulière. Mais jusqu'à présent, Radio France, c'est la radio, c'est la diffusion FM, donc on est bloqué en stéréo. Et donc là, ça y est, on a quelque chose. Maintenant, il faut produire. Tout à fait, il y a plusieurs projets de documentaires qui peuvent évidemment prendre en main le son spatialisé et proposer d'écouter à la place d'un tel ou un tel. On pourrait imaginer un concert où on peut choisir sa place dans la salle, plus ou moins près de l'orchestre, près des solistes, en fond de salle. Tout reste à inventer, surtout à tester auprès du public. Est-ce qu'il a un intérêt pour ça? Est-ce que c'est du simple gadget? Le transmédia ouvre tellement de portes que de toute façon on est obligé de faire nos tests et de les partager parce qu'on va pas tous tenter les mêmes choses. Donc on a justement dans le cadre des événements sportifs et des transmissions sportives la possibilité de savoir si les gens ont très envie d'écouter les commentaires de leur équipe et les supporters de leur équipe plutôt que d'avoir une ambiance globale. Est-ce que c'est du simple gadget ou est-ce que c'est vraiment un besoin? Il y a encore toutes ces études-là en cours, et c'est notamment le cas à France Télévisions Nouvelles Écritures, mais voilà, je sais que ça allait aussi à la direction des nouveaux médias de Radio France et à la BBC R&D, enfin voilà, on cherche tous ça.